L'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, vient de répondre à Eli Kamano. Cet artiste également reconverti en politique s'est livré récemment à des attaques virulentes contre le principal opposant guinéen Seloud Alain Diallo. Pour le coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'UFDG, Joachim Baba Milimouno, le président du parti PGSD, est un homme qui a échoué dans la musique avant de se retrouver par circonstance sur le terrain politique. Après son échec dans la musique, Eli Kamano s'est vu humilié en politique au point de devenir un mendiant. Eli Kamano trouve le réconfort en insultant le président Seloud tout en espérant avoir la grâce de son maître et manipulateur Alpha Condé. N'ayant aucune compétence à faire valoir, ce poltron se voit dans l'obligation d'utiliser son jeu favori qui est celui de l'indignité et de l'insolence. Il se cherche et pour lui le meilleur moyen est d'insulter le cauchemar de son bienfaiteur. Ce qu'il oublie c'est que le peuple lui a déjà classé dans les rangs des ennemis de la République. Il a trahi le peuple en soutenant l'augmentation du prix du carburant en 2018. Aujourd'hui encore il se range du côté des dictateurs contre lesquels il semblait se battre il y a une décennie, a déclaré Joachim Baba Milimouno.